Si l'on excepte 2002, Nicolas Sarkozy a participé à l'ensemble des campagnes présidentielles depuis 1995, soit en tant que porte-parole du candidat Édouard Balladur en 1995, soit en étant lui-même candidat à la magistrature suprême en 2007, en 2012 et en 2017. Nicolas Sarkozy a cette capacité assez unique à faire parler de lui, en étant omniprésent dans les médias, en suscitant nombre de polémiques, on l'a vu dernièrement avec la polémique sur les origines gauloises, ou en étant impliqué plus ou moins directement dans différentes affaires. Il a aussi cette capacité assez unique à susciter des réactions et des sentiments extrêmement contrastés et à être un personnage politique particulièrement clivant. On adore ou on déteste Nicolas Sarkozy. Il a ainsi cette capacité à électriser le peuple de droite, on le voit dans les différents meetings, et en même temps à susciter un rejet viscéral à gauche, mais aussi au centre, voire à droite. Alors, au-delà du personnage, peut-on parler d'un sarkozysme et quelles pourraient être ses caractéristiques? Le sarkozysme n'est pas vraiment une idéologie, comme ont pu l'être, à leur heure, le thatchérisme ou le reaganisme. Nicolas Sarkozy a en effet souvent évolué dans ses prises de position. On l'a vu dernièrement avec la question du mariage homosexuel ou de l'environnement. Le sarkozysme est avant tout une stratégie politique mise en œuvre par Nicolas Sarkozy pour conquérir le pouvoir en 2007, le conserver en 2012, le reconquérir en 2017. Cette stratégie politique s'appuie avant tout sur une orientation politique maintenant bien connue, qui est celle de la droite décomplexée. C'est l'affirmation clairement exprimée, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le passé à droite, d'une orientation conservatrice sur le plan économique, avec la défense d'un libéralisme économique, et sur le plan sociétal, avec une fermeté en matière d'immigration, de sécurité, d'islamisme radical, et une mise en avant des questions identitaires et des valeurs conservatrices que sont le travail, la famille, le mérite, l'ordre ou l'autorité. Mais la stratégie politique du sarkozysme s'appuie aussi sur une nouvelle façon de faire de la politique. Avec une omniprésence dans les médias et sur le terrain, on l'a vu dernièrement à Calais, et un nouveau langage politique censé être plus proche du peuple. On se souvient bien évidemment de différentes phrases choc prononcées par Nicolas Sarkozy. On va nettoyer au Karcher la cité, vous en avez assez de cette bande de racailles, on va vous en débarrasser, et bien sûr, le fameux casse-toi pauvre con du salon d'agriculture. Ce langage est censé être en rupture avec la langue de bois des technocrates, des énarques et le politiquement correct. Et il est censé être davantage en phase avec le langage et les préoccupations du citoyen de base. Cette stratégie déployé par Nicolas Sarkozy, part de deux constats. Le premier est que les élites politiques ont été dans l'incapacité d'entendre le cri du peuple, pour reprendre l'expression de Nicolas Sarkozy, lors de deux événements politiques majeurs. La présidentielle de 2002, où une partie massive de la population a voté en faveur de Jean-Marie Le Pen, et le référendum de 2005, où une majorité a voté en faveur du non à la Constitution européenne. Nicolas Sarkozy en a conclu qu'il faut à tout prix écouter, comprendre et répondre aux préoccupations de cette France du non si l'on souhaite réduire l'attractivité des forces populistes. Il le disait lui-même dans Le Monde en 2009, c'est en devenant sourd aux cris du peuple, indifférent à ses difficultés, à ses sentiments, à ses aspirations que l'on nourrit le populisme. Le second constat effectué par Nicolas Sarkozy et que la majorité silencieuse, entre guillemets, est plus conservatrice que ce que l'on croit. Nicolas Sarkozy en conclut que les élections se gagnent donc à droite, sur la base d'un discours clairement de droite et non au centre. La primaire des Républicains au mois de novembre nous dira s'il a raison ou non. Je vous remercie.